Dans cette feuille de calcul, on a indiqué les chiffres d'affaires de trois boutiques internationales tout au long de l'année passée, c'est-à-dire durant les quatre trimestres de l'année. Et on souhaiterait maintenant connaître les chiffres d'affaires à la fois par trimestre et par boutique. Et bien pour cela, on va utiliser la fonction somme. Nous commençons par nous positionner dans une cellule où l'on veut connaître la somme. Donc ici, par exemple, je souhaite connaître la somme des chiffres d'affaires pour les trois boutiques pour le premier trimestre. On pourrait bien sûr faire une addition classique, mais vous allez voir qu'il est intéressant d'utiliser la fonction somme. Donc, étant maintenant dans la cellule où je souhaite calculer la somme, je me dirige vers la barre d'outils et je vais cliquer sur le bouton qui présente le symbole sigma, la lettre grecque sigma, qui en mathématiques représente effectivement la somme. Je clique sur le bouton et le système me propose de calculer la somme de la plage B2 jusqu'à B4. Et effectivement ici, il l'a bien vu, c'est bien cette somme-là que je souhaite calculer. Si c'était nécessaire, je pourrais modifier et cliquer glisser, je pourrais par exemple calculer la somme de B2 jusqu'à E4. Mais ici, ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, simplement, j'accepte ce que le système a proposé et je frappe la touche Enter. Et voici le total pour le trimestre 1. Pour le trimestre 2, même chose. Simplement, je me positionne sous les chiffres d'affaires du trimestre 2 pour les trois boutiques et je clique le bouton Somme. Ici, je fais Enter directement. Notez que la formule somme de C2 à C4 représente bien la somme de la cellule qui est 1, 2, 3 rangs plus haut jusqu'à la cellule qui se trouve un rang plus haut. Nous sommes ici en référence relative. Donc, si je prends cette formule et que je la tire vers la droite, tous les calculs sont corrects. Nous avons maintenant ici la somme de D2 à D4, E2 à E4. On peut bien sûr aussi calculer les sommes par boutique. Donc ici, on pourrait faire exactement la même chose. Je me positionne dans la cellule où je souhaite calculer la somme et je clique sur le bouton de la somme. Enter et c'est fini. Remarquez que l'on pourrait travailler autrement. Je me positionne dans la cellule où je souhaite calculer la somme. Je frappe le signe égal, puis j'écris somme. Parenthèse ouvrante, je désigne les cellules dont je souhaite connaître la somme, donc toute cette plage, de B3 jusqu'à, et on ne voit pas la suite, je ferme la parenthèse, voilà, de B3 à E3. Enter. Et j'ai exactement le même résultat, en tous les cas, la même formule, somme de B3 à E3, qui est tout à fait équivalente donc à la formule précédente, somme de B2 à E2 pour la ligne 2. Et bien sûr, je pourrais faire la même chose, tirer vers le bas, pour obtenir le total pour la boutique de Tokyo. On pourrait obtenir aussi la somme totale pour l'ensemble des trimestres et pour l'ensemble des boutiques. Alors ici, si je frappe, je clique sur le bouton somme, le système ne me propose pas la bonne zone, puisque moi je voudrais en fait les totaux pour tous les trimestres et toutes les boutiques. Voilà, c'est donc bien la somme de B2 à E4. Enter, et j'obtiens le total pour l'ensemble des villes et pour l'ensemble des trimestres.